ça. Une fois le mail est cuit, on le prend avec un bout de bois, quoi. On le pose par terre. Après, je récupère ma fourchette et on fait des noni là. Et après, je viens là. Et m'accoster à côté de ce gros caillou. Ah, il a coupé. C'est la branche qui reste avant. Alors José, comment tu trouves la vie ici? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas le pire endroit, hein? Il pleurait. C'est pourquoi? Parce que lui, il voulait tomber, mais il tombe pas. Après, il pleure, il pleure, il pleure. C'est Ataï. Qu'est-ce que tu as dans la main, Ataï? Ça, c'est le mei, mei, en marquisien, le mei. Et en polynésien? C'est le ouro. Ouro. Comment José? Et là, je suis en train de préparer le fameux kaku, quoi. On dit en marquisien. Différents plats marquisiens, quoi. Alors, c'est le fruit de l'arbre à pain, au départ, hein? Voilà. Qu'on a vu avant? Oui. Et là, une fois cuit, il faut un peu... Après, je le prends et je l'écaille et après, pilonné. Tu mouilles toujours avec un peu d'eau? Ouais. Il faut dire que là, il sort du feu, là, il est tout chaud, là. Hein? Tout chaud, hein. Pour être un bon professionnel pour faire ça, alors là, pour mettre du temps, hein. Pour les étrangers, il faut qu'ils mangent. Voilà. Regarde, la pâte est bien lisse là. Tu vois très bien. Quand c'est bien lisse, ça brille. Et là, c'est bon quoi. Hein.